comme une biche près d'un torrent d'eau. Seigneur, je viens dans ta salle. Oui, merci. Je suis votre frère Mike Kalambay, artiste musicien, chanteur du Seigneur. Et je suis le fondateur et le président du groupe Shekinah Music que je dirige il y a 4 ans. Et pour la petite histoire, j'ai commencé ma carrière professionnelle, bien sûr, à côté du frère Thomas Lokofe, et avec qui nous avons réalisé 2 albums. Il y a eu l'album Nzambenelia et aussi l'album J'élève mes yeux. C'est là que pour la première fois, le public a eu à me découvrir. Et plus tard, je vais faire également un passage dans les étoiles des louanges, là au sein de mon église. Je tiens aussi à les souligner que je suis membre serviteur de Dieu de l'église Cité Bethel. Et à part cela, j'ai eu à intervenir dans différentes œuvres de beaucoup de nos bien-aimés, frères et sœurs. Et plus tard, le Seigneur va nous mettre à cœur de réaliser un album. Là, c'était mon tout premier album. Plusieurs ont aimé, apprécié, et c'était l'album Jésus mon tout, voilà, il est là, dans lequel vous avez retrouvé les chansons telles que Ngolou, Liziba, Sunga, Wanjile et tant d'autres. Et cet album, plus tard, va engendrer un groupe, Shekinah Music. C'est un groupe bien structuré, qui a un chef d'orchestre du nom du frère Michel Lukusa. Et nous avons également notre frère Kaza Ewing, nous avons John Kandolo, il y a le frère Didier Mabika, nous avons nos 3 jeunes sœurs, Suzanne, Mati et Jeannette, et il y a également le frère Salomou, nous avons notre frère Roby, il y a Amide, il y a également Célio, notre jeune frère, le cadet derrière du groupe, et aussi nous avons notre frère Dieu Merci au Dudjoa. Nous avons Jean-Pi Matungulu, il y a le frère Badiachile Rémi, avec qui nous travaillons il y a quelques années, dans ce que nous avons embrassé comme carrière. Parlons d'un jour. Un jour, c'est un album qui comprend 10 titres. Nous avons Kumama Yahweh, cette chanson dans laquelle vous avez retrouvé l'intervention de notre sœur Sandra Mbouy. Il y a Moponami, nous avons Yesu Sala, Ozan à l'agneau, il y a un cantique en Chiluba, Mouela Mani. Nous avons un jour en 6e position et en 7e position, il y a une chanson en français, Dans ta présence. Nous avons Yambangai, il y a Mwananilaka et Otomwame, une compilation en Titila, une louange à l'honneur de notre Seigneur. C'est vrai, nous naissons un jour, également un jour nous mourons, mais les un jour dont il est question ici, c'est en rapport avec les promesses de Dieu. Ce que Dieu a dit dans la vie d'une personne, ce que Dieu a dit par exemple dans la vie de toi, mon frère, ma soeur, en train de nous suivre. Je vais tout simplement dire aux enfants de Dieu que ce que Dieu a dit, ça doit bel et bien s'accomplir dans nos vies. Parce que la parole déclare qu'il est derrière sa parole, il veille sur sa parole. Et sa parole s'accomplit dans nos vies. Il va dire par exemple à Habakkuk. Il dit à Habakkuk, Habakkuk, cette prophétie, tu la gardes. Même si elle tarde, tiens bon, parce que ça doit s'accomplir. Ce titre, un jour, c'est aussi un titre d'espoir. Pour communiquer l'espoir
et la foi aux enfants de Dieu, pour ceux pour qui l'avenir et la vie semblent être déjà sombres, leur dire qu'il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Vous allez constater qu'à votre droite comme à la gauche, il y a un bien-aimé qui émerge, qui va de l'avant, que Dieu est en train d'assister. Dites-vous, voilà, il n'a pas épuisé dans les dépôts du Seigneur. Il peut bien s'acheter une bagnole, une parcelle, être prise même en mariage. Dites-vous, voilà, il n'a pas épuisé dans les dépôts du Seigneur. Il s'est acheté une voiture, mais il n'a pas acheté la vôtre. Il s'est acheté une parcelle, mais il n'a pas pris la vôtre. Donc c'est un peu ça. Il n'a pas épuisé dans les dépôts du Seigneur. Il n'a pas fini dans le magasin du Seigneur. Un jour, le Seigneur se souviendra de vous. Oui, mais nous n'allons pas seulement rester bornés au matériel, parce que nous sommes à l'attente d'un avènement, l'avènement d'une personne qui doit revenir bientôt, qui nous a promis cet avènement. Parce que déjà anticipativement, j'étais en train de dire qu'un jour, c'est en rapport avec les promesses de Dieu. Au-delà de toutes les promesses, nous avons aussi une promesse que Jésus doit revenir. Donc, bien-aimés, au-delà de tout ce que vous pouvez avoir, comme bien, comme richesse, comme fortune, malgré les vents et tempêtes, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer dans la vie, dites-vous, voilà, il y a un grand jour, un plus grand jour, c'est que Jésus va revenir. Bon ami, tous au sol là. Nazali, oui, quelques difficultés rencontrées, elles ont été énormes. Comprenez que dans la réalisation d'un album comme celui-ci, ça ne pouvait vraiment pas nous être facile, puisque nous sommes assignés d'offrir au public et aux enfants de Dieu un album de qualité, tant spirituel et artistique. Il y a de quoi que les difficultés ne nous échappent pas. C'est comme ça que nous a fallu beaucoup de séances, de répétitions, des nuits blanches multipliées. Et par moments, quand il fallait réunir tous les bien-aimés avec qui réaliser cet album, la disponibilité d'un chacun qui pouvait par moments poser problème. Oui, hein, surtout qu'il fallait le réaliser avec nos maigres moyens. Donc ça n'a pas été facile. Et je me rappelle que pendant la réalisation, je vais être victime d'un accident de circulation. C'est comme ça que suivant les recommandations du médecin, on était obligé d'arrêter momentanément avec les enregistrements. C'est plus tard que nous allons reprendre. Et donc tout ça, ce sont des difficultés que nous avons rencontrées par rapport à l'enregistrement et la réalisation de cet album. Donc au-delà de tout, comprenez que c'est un travail qui nous demande beaucoup de sacrifices. C'est comme ça que je demande à tous les enfants de Dieu, tous ceux qui nous suivent de partout, de nous soutenir dans vos prières et aussi tout ce que le Seigneur pourra vous mettre à cœur de faire pour nous. Faites-le, le Seigneur va vous bénir. Nos remerciements vont tout droit au Seigneur, source de toute inspiration qui nous a soutenus dans la réalisation de cette œuvre, et aussi au public qui nous a porté à cœur, qui continue à nous faire confiance et attend beaucoup de nous. Aussi, je voudrais remercier une personne, c'est M. Antoine Katoto, avec toute la maison Kinexpress, pour la production et la distribution de cet album. Nous remercions tous les bien-aimés qui nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre dans la réalisation de cet album. Mais aussi, nous tenons à souligner que nous avons eu affaire au passage au studio Zet et au studio Maïno. Arrivé au moment de la réalisation des images, donc nos clips, ça a été assuré par la maison PSPH avec notre frère Blaise. Il y a eu aussi l'apport de la maison Jipro avec notre frère Dieu merci, Moulopo. Voilà, je n'ai pas oublié Shekina Music. Je remercie tous les bien-aimés avec qui nous travaillons. Merci pour leur disponibilité et cette grandeur de cœur et aussi le dévouement dans le travail. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme une biche près d'un torrent d'eau, Seigneur, je viens dans ta sainte présence, me rassasier de ta splendeur. Roi
de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits pour moi? Comment rendrai-je à mon Dieu tous ses bienfaits pour moi? Il me donne son ombrage comme abri, il me donne sa parole, ma langue. Donne son Esprit Saint pour guide. Oh Jésus, tu es bon pour moi. Et je cherche ce que je peux te donner. En récompense.